El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad actual y la realidad aumentada. Sampling rate, which is what creates stereotypes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde se estén conectando a esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar, a menos 15 bajo cero. Ese es el invierno moscovita. Una vez más acá transmitiendo otra vez, ¿no? Hoy día sábado 9 estamos por partida doble, por primera vez en todo este ciclo de conferencias, este curso magistral sobre geopolítica, fundamentos de geopolítica dedicado a la obra, a la trayectoria del profesor Alexander Dugin. Bueno, es la primera vez que estamos transmitiendo de manera, vamos a decir, de primero una, luego otra, por eso es que digo de partida doble, ¿no? Hace un momento tuvimos pues casi una hora y media a este gran intelectual, pensador holandés, ¿no? El señor, el doctor Wolfhasse, Alexander Wolfhasse, que ha tenido una espléndida conferencia, dicho sea de paso, muy buena, pueden volverla a ver los que no la han visto, los que quieran repetirla para seguir analizándola también, por supuesto, nos hacen llegar sus preguntas. Desde luego, estaba muy buena esa conferencia, esa la sexta internacional, esa madurez de pensamiento es la que se promueve en estos espacios. Y bueno, la conferencia que tenemos ahora mismo es ya la cuadragésima, la número 40, señores. Sin darnos cuenta y sin querer queriendo, hemos llegado pues a esta prácticamente maratónica, enciclopédica, ciclopia, trayectoria desde más o menos desde julio de este año, que pensábamos, como ustedes siempre les comentamos, queríamos hacer 10, 12 de repente, pero ya estamos por la número 40. Es que simplemente lo vuelvo a decir, lo voy a decir siempre, esto nos ha terminado desbordando ampliamente. Sinceramente, nosotros no pensábamos en que esto iba a tener tanta repercusión. Nunca pensamos que un curso que en origen tenía simplemente una noción de generar una visibilización, ¿no?, sobre la obra del profesor Alexander Dugin, haya llamado tanto la atención, tanto de los participantes, ¿no?, de los seguidores y, por supuesto, de los ponentes, que son, como verán ustedes y ya los han visto, de talla mundial. Y que sin ningún problema y con la mejor de las disposiciones están contribuyendo a que esto siga siendo posible. Y mientras eso siga siendo posible, nosotros estaremos aquí. Muy bien, entonces ahora tenemos la conferencia número 40, la cuadragésima conferencia. Antes, por supuesto, siempre agradecer al director de esta plataforma, esta productora internacional de contenido alternativo, Marcelo Ramírez, este gran geopolítico sudamericano, a Ivonne Alves, también, por supuesto, siempre en la conducción, al doctor Manuel Espinosa del Centro Regional de Estudios Internacionales, que ya lo tenemos por ahí, y a nuestro amigo, nuestro hermano, la invaluable labor de Juan Gabriel Caro Rivera, este historiador relevante, historiador colombiano que nos viene acompañando, asesorando en asuntos académicos y, por supuesto, con las traducciones que ya ustedes conocen. Entonces, en esta conferencia número 40 vamos a abordar una problemática muy poco estudiada, ¿no? Lucien Serís, que ya lo van a conocer ustedes, los que no lo conocen, es un pensador, es un sociólogo francés, yo siempre lo he admirado, yo soy sociólogo también, y aborda problemáticas que prácticamente ningún sociólogo se le interesa abordar, ¿no? Vamos a hablar de la ingeniería social. Ese término que alguna vez Karl Popper popularizó en este libro La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Él hablaba abiertamente de la ingeniería social, pero siempre se asocia el término de manera no despectiva, si se quiere, de manera positiva. En esta conferencia vamos a tratar de dilucidar qué es lo que se esconde detrás de esa categoría ingeniería social en un contexto más grande que es la transición sistémica hacia el mundo multipolar del siglo XXI. Vamos a ver cómo se engarza multipolaridad
con ingeniería social. Por eso es que así se llama, multipolaridad e ingeniería social. Le damos la bienvenida a al profesor Lucien Ceriz, y brevemente, para quienes lo conocen, vamos a dar una pequeña introducción a su trayectoria. Es un relevante sociólogo francés formado en ciencias sociales y humanidades, lingüística, ciencias de la información, ciencias de la comunicación y doctor en filosofía. Interesado en las nociones de fronteras y límites, tanto en el ámbito político como en el psicológico, ético y conductual. Sus investigaciones se centran en la soberanía nacional, la ingeniería social y sus aplicaciones al transhumanismo y la geopolítica. Es colaborador de diversos espacios, entre los que destaca geopolítica.ru, Contracultura, entre otros espacios. Entre sus principales publicaciones destacan Gobernar a través del caos, ingeniería social y globalización, Neuropiratas, reflexiones sobre la ingeniería social, Ucrania, la guerra híbrida de la OTAN, y en 2012 colaboró con la traducción al francés de un libro del profesor Alexander Dugin. Welcome, Monsieur Saris. Ahí está. Oui, bonjour et merci pour cette invitation. Voilà, ça c'était le livre de professeur Dugin. J'ai participé à la traduction en français de ce livre d'Alexandre Dugin. Voilà, c'était la quatrième théorie politique. Très bien, profesor Saris. Damos la bienvenida a Juan Gabriel Caro Rivera y, si está en el espacio, digamos también, por supuesto, al director del CREI, Manuel Espinosa. Adelante. Buenas. Doctor Manuel Espinosa, sus palabras, por favor. Good morning, Carlos, Monsieur Lucien Saris, estimado Juan Gabriel Caro. It's a pleasure for us to have this morning here in Nicaragua, this great kind of professional like Professor Ceriz. We welcome and want to express our gratitude for accepting the invitation to take part in this course on the foundation of the geopolitics based on the book written by Professor Alexander Dugin. And now we wish you a great success in this deep and wonderful topic that he's bringing for all of us today, multipolarity and social engineering. Welcome, Mr. Saris. Merci beaucoup. Muchas gracias. Je connais quelques mots en espagnol, hein, et je comprends un peu, parce que les langues sont proches. Monsieur Saris, commencez-vous votre conférence? Oui, très bien. Donc, en 2010, j'ai publié un livre intitulé « Gouverné par le chaos ». Nous avons fait la troisième édition en français cette année et il y a eu une traduction en anglais que je mets là dans le chat privé. Ça peut intéresser hein, les gens qui ne parlent pas français et qui pourraient trouver le livre malgré tout en anglais. Donc là, je l'ai posté dans le chat privé. Vous l'avez reçu, le lien. Le lien internet que je viens de poster. Voilà, donc je travaille sur l'ingénierie sociale depuis 2005. Je me suis rendu compte, hein, effectivement, au fil des années, que c'était finalement la méthode hein, du pouvoir globaliste en général. Donc il y a effectivement plusieurs disciplines rassemblées sous le terme d'ingénierie sociale. C'est la cybernétique, le management, le marketing et toutes ces disciplines qui travaillent sur le comportement, hein, le behaviorism, c'est-à-dire la transformation du comportement. C'est proche
de la notion de manipulation, mais c'est plus, ça va plus loin. La manipulation est ponctuelle, et c'est réversible. L'ingénierie sociale travaille à transformer l'identité définitivement. Vous voyez, avec un objectif de centralisation, hein, de contrôle, un objectif unipolaire. C'est le terme qu'on pourrait utiliser en géopolitique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que l'ingénierie sociale est appliquée, notamment depuis 2020, avec la notion, le concept de Great Reset, hein, de grande réinitialisation, qui traite l'humanité comme un ordinateur. Klaus Schwab et Thierry Malleret ont écrit un livre, ce sont des gens du Forum économique mondial. Ils ont écrit en 2020 un livre intitulé COVID-19, The Great Reset, pour dire nous allons faire une table rase, tabula rasa, sur l'humanité, sur l'espèce humaine. Nous entrons dans une nouvelle humanité grâce à la crise sanitaire. Monsieur Saïs, pause pour traduire. Oui. Faites, allez-y. Oui. Excusez-moi. El señor Cerise dice que él ha escrito un libro que se llama Gobernar por el Caos, que también está publicado en inglés, el cual él colgó en internet para que ustedes puedan acceder a él si desean conocer sus ideas, para que las capten o las conozcan. Bueno, él habla de que la idea de la ingeniería social es uno de los temas que hoy en día nos atañe más fuertemente porque la ingeniería social busca con fines alterar el comportamiento humano. Pero a diferencia de cómo lo hacía, por ejemplo, pues, los comportamientos humanos que, normales, que pueden ser reversibles, pueden ser vueltos a transformar a través de la vida, el comportamiento humano, pues la ingeniería social busca transformar definitivamente ese comportamiento, o sea, cambiarlo totalmente de una forma sofisticada. Esta ingeniería social tiene fines geopolíticos, los cuales son usados por diferentes actores. Y dentro de ese proceso, nosotros observamos que, por ejemplo, la última forma de la ingeniería social fue The Great Reset, pues, o sea, el gran reinicio, la gran reconstrucción, que fue aplicada durante la epidemia del COVID-19, la cual iba dirigida a crear una tabula rasa que borrara totalmente el comportamiento humano anterior y lo cambiara. Continúa, Monsieur Saris. Oui. Alors, dites-moi quand je dois m'arrêter. Hein, n'hésitez pas. Hein, vous me dites stop et vous traduisez. D'accord. Voilà. On était à la table rase. Ça c'est toujours le projet des penseurs utopistes, hein, qui a il y a une longue tradition utopiste en Occident. Qui commence notamment avec Platon, hein, le philosophe grec, et La République, son livre le plus important, qui a comme projet d'organiser rationnellement la société. C'est un projet finalement qui veut lutter contre la nature, en réalité. C'est-à-dire, c'est un projet de dépasser l'ordre naturel,
pour organiser la société de manière rationnelle. Aujourd'hui, on va dire organiser la société de manière scientifique. Mais c'est toujours le même projet, finalement, d'en finir un peu avec la nature qui est décentralisée et qui prolifère. Vous avez en Amérique du Sud la forêt amazonienne qui est grande comme l'Europe et qui fait beaucoup rêver les Occidentaux parce que c'est un espace de nature libre. Et en Europe, tout est parfaitement contrôlé. Il n'y a plus beaucoup d'espace naturel. Mais par exemple, on a inventé en France le principe des jardins à la française. C'est les jardins de Versailles où tout est contrôlé. La nature est soumise aux formes géométriques. Et c'est un esprit très français, Descartes, le cartésianisme, tout doit être carré, géométrique. Il y a une tradition française utopiste, notamment Auguste Comte, qui a eu aussi une école au Brésil, si je me souviens bien, parce que bon, c'est l'utopie, la pensée utopiste est universelle. Elle peut trouver des soutiens et des penseurs partout, évidemment. Juan Gabriel, à un moment, monsieur Saris. A ver. Un moment. Un momentito. Controles, ya entro, por favor. Iván, ¿estás por allí? Ya, un momentito, ya está entrando. Ah, ahí está. Bueno, perdónenme, la cámara se me murió, entonces, pero bueno, voy a continuar por aquí. El señor Celis habla de que en Occidente ha existido una trayectoria utópica que ha ido, digamos, reconfigurando la realidad a su gusto a través de una serie de ingenierías sociales. Este utopismo, estos utopismos que existen en el mundo occidental, han buscado, por ejemplo, reconfigurar incluso contra natura la realidad misma por medio de una serie de procesos políticos. Es precisamente sobre este tema que nosotros lo observamos en, por ejemplo, el cartesianismo. El cartesianismo, por ejemplo, ha llevado a cabo con sus estilos geométricos, ha buscado modificar, por ejemplo, la realidad como tal. Eso viene encarnado, por ejemplo, en Versalles, en el Palacio de Versalles, donde nosotros vemos
Pues, o sea, vemos, por ejemplo, las formas cuadradas de los árboles, de los jardines, de los arbustos, que precisamente recuerdan a toda esta idea de la ingeniería social. Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, de la ingeniería social. Otro sería el de Auguste Comte, por ejemplo, con su escuela positivista, que también tendría ideas utópicas y ingeniería social, cuya escuela, por ejemplo, hizo... tuvo influencia por, en lugares como, como Brasil. Es un ejemplo de este elemento. Continúo, Monsieur Soral. Ego, Monsieur Luceris. Oui, donc ce projet hein, de contrôle scientifique de la société ou d'organisation scientifique de la société est souvent perçu par le, les êtres vivants hein, comme une agression. Parce que bon, c'est trop carré, trop rationnel, trop scientifique. Et donc, les êtres vivants ont tendance à se rebeller hein, contre cette, ce, ce cadre scientifique des projets utopistes. Donc pour contourner hein, le rejet de, du vivant, il faut parfois utiliser la ruse, c'est-à-dire des stratagèmes. Et là, on vient sur la deuxième partie de l'ingénierie sociale. Hein, après l'organisation scientifique de la société, c'est le piratage de la psychologie des êtres vivants, hein, le engineering of consent en anglais, la, la fabrication du consentement. La, c'est un pirate informatique, hein, un hacker des années 90 qui a repris la notion de social engineering pour parler du piratage de l'esprit pour transformer l'esprit et transformer le lien social. Et donc, aujourd'hui, on a hein, ensemble hein, les deux parties hein, de l'ingénierie sociale qui travaillent chez les globalistes. Hein, le projet hein, du Great Reset, c'est-à-dire faire la table rase sur la multipolarité, c'est-à-dire faire une table rase sur la multitude des peuples et des nations pour tout unifier, tout centraliser sous un gouvernement technocratique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce gouvernement technocratique, cybernétique, pourrait contrôler hein, l'ensemble de l'humanité par l'informatique et, la et les manipulations génétiques. Et on va vers le transhumanisme. Bon, et donc le mouvement multipolaire est important pour lutter contre ce projet utopiste hein, et pour en fait réinjecter une vision biomimétique. C'est-à-dire, pour moi, le, je pense en fait hein, que la géopolitique et que la politique multipolaire imite la nature. Elle n'est pas, en fait, c'est culturel, oui, d'accord, mais ce n'est pas contre la nature, parce que on respecte la, la, la liberté des êtres vivants et on respecte la décentralisation hein, de la, du vivant. Monsieur Soral, oui. Translate your speak. Perdón, bueno, el señor Ceris nos dice que, por ejemplo, a través de las ingenierías sociales, pues, o sea, a través de las racionalizaciones utopistas que han llevado a cabo la, la, las sociedades modernas, se busca transformar totalmente la, la, la identidad de las cosas por medio de un hackeo, si se quiere, o de un pirateo, de
piratear la psicología de las personas. En inglés, por ejemplo, este pirateo de las neuronas, pues de la psicología particular de la gente, se llama la ingeniería del consentimiento, de consent engineering, es decir, de la generación de un consentimiento a través de un proceso de ingeniería social que va aplicado a las personas. Esta forma, por ejemplo, de ingeniería busca precisamente alterar los comportamientos de la gente por medio de toda una serie de elementos científicos irracionalistas que buscan alterar la percepción, digamos, de la realidad. Ahora bien, frente a este proyecto ha sido lanzado, con implicaciones geopolíticas en varias ocasiones, porque la ingeniería social es un medio por medio del cual operan los agentes globalistas que están en contra de las personas. En primer lugar, pues ese era el otro problema. Frente a esto, digámoslo así, hay una lucha geopolítica, política, que va desarrollada con el problema de la multipolaridad. La multipolaridad, a diferencia de la ingeniería social aplicada por las fuerzas occidentales, pues por las fuerzas occidentales, busca, por el contrario, está en realidad basada sobre los elementos naturales, especialmente sobre elementos de la pluralidad, de la descentralizados que comparten los diferentes pueblos de la sociedad, y a través de este sistema, pues de lo que se llama la multipolaridad, estaría más en consonancia con la realidad como tal. Y es precisamente aquí donde, pues con la naturaleza como tal, y es precisamente aquí donde nosotros encontramos nuestro problema. Continuemos, César Díaz. Oui. Donc, aujourd'hui, donc, il y a deux grands projets géopolitiques mondiaux. Hein, donc, un projet donc, utopiste qui s'appelle la grande réinitialisation et qui est en fait un projet transhumaniste qui veut dépasser la multitude des formes humaines, hein, c'est-à-dire la multitude des identités nationales, des identités ethniques, des identités culturelles. Et toute cette multitude est justement en fait une émergence naturelle. Et en fait, le projet de la grande réinitialisation veut transformer l'humanité pour homogénéiser l'espèce humaine, de manière justement pour standardiser, pour carrément industrialiser la production de l'humain. Hein, on pense au philosophe allemand Heidegger, hein, qui avait parlé d'un concept qu'il avait appelé le Gestell, pour parler de ce phénomène de transformation du sujet en objet. Hein, c'est les phénomènes qu'il voyait au XXe siècle, c'est-à-dire les phénomènes de chosification du vivant. C'est-à-dire sous l'effet du productivisme industriel et donc sous l'effet de la société industrielle. Et nous sommes là en fait aujourd'hui dans un processus effectivement d'uniformisation de l'espèce humaine. C'est-à-dire vous avez entendu parler des organismes génétiquement modifiés pour les plantes. Ça se met en place aussi pour les humains, c'est-à-dire avec notamment une reproduction artificielle, hein, c'est toutes les questions de bioéthique qui s'appuie notamment sur le LGBT, c'est-à-dire que deux hommes ou deux femmes doivent avoir le droit d'avoir des enfants. Hein, comme si c'était possible. Ce n'est pas possible. Deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas avoir des enfants. Bon, aujourd'hui, en France, la législation LGBT est très avancée et on essaye de nous faire entrer dans le cerveau que
il est possible de dépasser la nature, hein, que deux femmes ou deux hommes pourraient avoir des enfants. Alors, de manière artificielle, hein, c'est la GPA, gestation pour autrui, où bientôt ce sera dans un laboratoire entièrement, l'enfant grandira dans un tube. Donc, on en est là aujourd'hui, et on voit que cette violence, hein, du transhumanisme essaye d'avancer, masquée, hein, avec des arguments humanitaires, des arguments qui reposent donc en fait sur des stratagèmes qui reposent sur la ruse. Et donc ça, c'est le deuxième, hein, chapitre de l'ingénierie sociale, c'est la ruse. Et donc, j'ai un rideau qui est tombé. oui, je disais la ruse. Donc oui, et le pirate informatique Kevin Mitnick, hein, qui est mort cette année, a donné cette définition de l'ingénierie sociale, hein, comme transformation du lien social en utilisant l'usurpation d'identité et l'abus de confiance, hein, abuser de la confiance. Donc on usurpe l'identité, par exemple, d'une victime, hein, les LGBT, ils pleurent tout le temps, voilà, ils sont très malheureux, persécutés, voilà, et ça permet donc d'abuser de la confiance de la population qui va dire « Ah oui, les pauvres petits, les pauvres malheureux, il faut faire quelque chose, hein, pour les aider. » Et donc, on va autoriser le mariage homosexuel l'adoption, hein, d'enfants par les couples homosexuels. Donc là, on voit que un projet transhumaniste, donc utopiste, hein, avance par la ruse, hein, par les bons sentiments, hein, et la compassion, l'empathie, c'est souvent comme ça, hein, mais ça peut aussi avancer par la peur, hein, donc par justement par le chaos, hein, en profitant d'une crise, par exemple. Donc ça, c'est... El señor Ceriz, por ejemplo, Lucien, nos está hablando acerca de los medios por medio de los cuales opera estas formas de ingeniería social, de racionalización del mundo a través de los medios que se buscan. Hoy en día las formas de ingeniería social buscan sobre todo imponer un proyecto transhumanista, un proyecto transhumanista que va dirigido a destruir todos los lazos étniques, culturels, sociaux, économiques, de classe, etc., qui avaient construit, qui formaient la base de la société telle que nous la connaissions, par le medio du transhumanisme. Le transhumanisme est la forme que adquiere, par exemple, la actuelle ingénierie sociale qui busca piratear précisément notre psyche, pues, o sea, incluso notre propre psychologie, par le medio de la construction de tous ces medios que nosotros conocemos. Hoy en día, por ejemplo, uno de los principales sistemas a través de los cuales se está llevando a cabo este proceso de ingeniería social es, por ejemplo, a través de lo que se llama los colectivos LGTBI, las diferentes ideologías que ellos promueven, por medio de las cuales se busca la abolición, por ejemplo, de la identidad, de la identidad sexual de los seres humanos, de las familias, de las culturas, de las sociedades, que en Francia, por ejemplo, estos procesos han venido dándose con fuerza en los últimos años, a partir de la aprobación del matrimonio, pues, con personas del mismo sexo, también de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, etcétera, que van dirigidas hacia la construcción de todas estas formas de ingeniería social, especialmente porque en las ingenierías sociales lo que buscan es más que todo, pues se basan sobre todo en un abuso
de la confianza en las poblaciones, especialmente por medio del victimismo, al cual muchos de los grandes medios de comunicación o incluso la sociedad, pues los colectivos LGTBI buscan abusar de las personas, de la confianza de las personas en las diferentes formas para llevar a cabo sus agendas. Esto va llevando a cabo pues, un proceso de desconstrucción acelerada de la cultura, pues de la sociedad por medio de estos sistemas, y es precisamente aquí donde la ingeniería social, la cual ha sido marcada, ha llevado a cabo un sistema de presión sobre las diferentes sociedades. Continúe, monsieur Saris. Sí, donc, il y a donc une méthode de management qui s'appelle la conduite du changement. Hein, en français, hein, change management en anglais. C'est donc une invention, une création d'un professeur de Harvard qui s'appelle John Kotter et qui a décrit les 8 étapes pour faire changer un groupe. Mais pour faire changer un groupe qui n'en a pas forcément besoin. Vous comprenez ? C'est-à-dire, en fait, pour pousser un groupe qui marche, en fait, un groupe qui fonctionne, pour le pousser à changer en fonction non pas de son intérêt, mais de l'intérêt du manager. Les 8 étapes, je vais résumer avec la première étape, c'est suffisant, c'est créer un sentiment d'urgence dans le groupe. Parce que sinon, le groupe continue à fonctionner comme d'habitude. C'est-à-dire que si ça marche pour ce groupe, cette tribu, cette société, cette nation, elle n'a pas besoin de changer. C'est ce qu'on appelle le conservatisme en politique. Il y a un certain nombre d'habitudes ou des habitus, dirait Pierre Bourdieu, un sociologue français. Structure les sociétés humaines, on appelle ça aussi des traditions ou des routines, qui ont été sélectionnées par une sorte de sélection naturelle au fil des siècles, et celles qui restent, ce sont celles qui marchent, et donc qui permettent à ce groupe humain de se développer et de vivre bien. Bon, parfois, le capitalisme le libéralisme a besoin de casser ces traditions pour imposer un nouveau marché, par exemple. Donc, j'ai travaillé aussi sur un livre de Stuart Ewen, qui est professeur de histoire de la publicité, histoire du marketing à l'Université de New York, et qui a démontré dans son livre « Captains of Consciousness » que le marché, dans les années 1920 aux États-Unis, a travaillé à briser la famille, à casser la famille pour vendre plus de marchandises. On est dans la planification socio-économique. En réalité, l'opposition entre libéralisme et socialisme, c'est-à-dire le libéralisme, l'économie est libre, le socialisme, l'économie est planifiée, c'est une escroquerie intellectuelle. Le libéralisme planifie, est une économie planifiée aussi, et qui attaque notamment les traditions pour créer, ouvrir des nouveaux marchés. Mais pour faire accepter cette violence, il faut parfois faire peur. Gouverner par le chaos, c'est-à-dire faire peur, c'est-à-dire créer un sentiment d'urgence pour que les groupes humains qui ont des traditions qui leur font du bien abandonnent ces traditions pour de nouveaux comportements. On parle souvent dans le marketing ou dans le management de créer de nouveaux comportements. C'est-à-dire des comportements de consommation pour le marketing ou des comportements dans le travail pour le management.
Mais évidemment, vous comprenez qu'on peut transférer ces méthodes en politique. C'est évident. Pour créer de nouveaux comportements politiques qui vont abandonner les traditions qui marchaient pour aller vers quoi? Vers l'inconnu, en fait. C'est ça le progressisme. Le problème du progressisme, dans sa version utopiste, hein, qui apparaît au XIXe siècle, c'est que, bon, on veut faire une table rase sur les traditions qui ont été sélectionnées naturellement pour aller vers un nouvel homme. Hein, donc, on trouve ça dans le fascisme, mais aussi dans le bolchevisme, hein, et dans tous les dans toutes les utopies, hein, fondamentalement. Et là, on est dedans en Occident, hein, avec la grande réinitialisation, The Great Reset, qui veut traiter l'humanité comme un ordinateur que l'on va reset, enfin que l'on va recommencer, réinitialiser. Donc c'est là, la violence doit être cachée, dissimulée par des stratagèmes, hein, pour fabriquer le consentement à cette violence, puisque c'est la nature humaine qui doit être dépassée, hein, par le transhumanisme. Hein, ce n'est pas seulement telle une tradition, un pays, non, c'est l'espèce humaine, c'est-à-dire la condition anthropologique, hein, notamment un peu ce que Freud avait appelé, hein, le complexe d'Oedipe, hein, c'est-à-dire la séparation entre les hommes et les femmes et entre les parents et les enfants. Ça, c'est... Aujourd'hui, le transhumanisme et l'ingénierie sociale attaquent, hein, le cœur de l'espèce humaine en attaquant le complexe d'Oedipe. C'est la plus grande violence de tous les temps, hein, de toute l'histoire de l'humanité. Nous, on vit ça en France, hein, parce qu'on est très avancé dans la décadence, hein, dans la dégénérescence, pour diverses raisons. Hein, c'est le développement industriel, la tertiarisation. Hein, vous connaissez, aujourd'hui, la France, c'est en train d'être, après avoir été une puissance industrielle, aujourd'hui, on est en désindustrialisation et tout est en train de passer au niveau des médias. Hein, c'est ça, la tertiarisation. Donc, je vous laisse traduire, peut-être. El señor Ceriz, pues, habla sobre que todos estos procesos de ingeniería social que nosotros estamos viendo van dirigidos hacia la racionalización, pues, del comportamiento humano por diferentes medios que nosotros observamos, pues, en todos los días. Precisamente han sido intentos de reinicio total. Y aunque nosotros no lo creamos, ha habido varios intentos de ingeniería social alrededor de la historia. Uno de esos intentos, por ejemplo, es como lo demuestran, por ejemplo, la aplicación de las ideas liberales, sobre todo del liberalismo, cuando plantea la libertad de mercado, porque la libertad de mercado, cuando fue planteada, fue entendida como un medio de ingeniería social. A través del libre mercado se lleva a cabo la selección de aquellos que eran lo suficientemente fuertes para continuar su propia ganancia, pues, para obtener ganancias, por medio de su sistema. Pero eso era una aplicación, por ejemplo, de teorías evolucionistas, de teorías naturalistas a la sociedad humana, sobre todo de la selección de los más aptos dentro del reino de la naturaleza, podía ser aplicado por medio del sistema del libre mercado a la sociedad humana para cambiar absolutamente toda la forma, pues toda la forma de la realidad por medio de esta ingeniería social. Otros ejemplos, por ejemplo, de ingeniería social que también se aplicaron y se basaron sobre estas leyes materialistas fueron, por ejemplo, el bolchevismo o, por ejemplo, el fascismo, las diferentes formas de fascismo, que también se basaron sobre estas ideas para aplicar una forma de ingeniería social basada sobre la selección, ya sea de la clase o de la raza, como medios para transformar el conjunto total de la sociedad.
como sea, estas ideas de la ingeniería social aplicadas al mundo, pues a nuestro mundo, también han buscado, pues por medio, pues, o sea, la forma que la ingeniería social adquiere actualmente sería la forma del transhumanismo. El transhumanismo va dirigido, por medio de todas sus ideologías, a romper precisamente los lazos más importantes del ser humano. Uno de esos lazos, por ejemplo, es el problema del complejo de Edipo. Nosotros sabemos por los estudios psicoanalíticos y psicológicos la importancia que tiene, por ejemplo, esto para entender la psicología de las formas humanas. Sin embargo, hoy en día las ideologías transhumanistas buscan romper este complejo precisamente para alterar la forma del comportamiento humano. Todo esto se va dirigido hacia las diferentes manifestaciones que vemos en las sociedades actuales, las cuales por medio del marketing, por medio de los sistemas de publicidad, de ventas, del libre mercado, van dirigidos a alterar el proceso de comportamiento de las personas, especialmente en diferentes formas, y de ese modo llevar a cabo un cambio de la percepción de la realidad que nosotros tenemos sobre estos temas, sobre estos conjuntos de ideas. Bueno, continuez, monsieur Saris. Oui, voilà, donc on en est à ce point en Occident où en fait, finalement, tout est faux. J'ai un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Baudrillard qui a beaucoup théorisé sur le spectacle. Hein, aussi au Guy Debord et le situationnisme, vous connaissez peut-être. Bon, c'est en fait une critique de cette société entièrement fondée sur le spectacle, hein, sur le show, hein, et sur les écrans, hein, et qui apparaît en Occident dans les années 1960. Hein, ça fait déjà deux ou trois générations que nous sommes là-dedans en France. Notamment, hein, c'est la société du divertissement, hein, la société, la révolution sexuelle, hein, dans les années 1960, hein, le rock and roll, pop music, voilà, nous baignons, hein, nous sommes là-dedans, et ça, c'était vraiment, bon, voilà, le monde, le bloc capitaliste, hein, qui est rentré, hein, dans cet univers. Finalement totalement individualiste, hein, où il n'y a plus aucune conscience d'appartenir à un groupe, hein, et d'avoir une identité, hein, une origine. Hein. On va fusionner dans le concert de rock, hein, le Woodstock, et on oublie nos ancêtres, hein, on oublie nos traditions, et c'est la nouvelle culture, hein, les jeunes, le divertissement, etc. Donc, tout ça, en fait, est un hameçon d'ingénierie sociale, hein, c'est-à-dire c'est une stratégie de séduction pour nous emmener, hein, vers, finalement, la fin de l'humanité. Et l'autre stratégie, il y a donc la séduction et il y a la peur. Hein, et par exemple, on a vu en 2020, hein, une crise sanitaire artificielle. Hein, donc avec un virus de grippe normal qui a été traité comme une espèce de catastrophe, hein, humanitaire mondiale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches en France chez des chercheurs indépendants ou qui prennent des risques, hein, qui travaillent dans les institutions, mais qui montrent bien, hein, que en fait, bon, le virus SARS-CoV-2 n'était pas si dangereux que ça, hein, et qu'il y a eu une réécriture de la réalité par les médias pour faire une crise mondiale qui devait servir de prétexte pour aller vers le transhumanisme. Aujourd'hui, vraiment, c'est très clair. Et donc, il faut effectivement, hein, travailler pour échapper, hein, à ce destin,
On peut utiliser une autre ingénierie sociale que celle du pouvoir, hein, et une ingénierie sociale qui, en fait, permettrait de lutter contre celle du pouvoir. Hein, c'est-à-dire, effectivement, bon, travailler dans le sens de la multipolarité, parce que il faut être conscient que l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, World Health Organization, a l'intention, hein, d'en finir avec la multipolarité au niveau des politiques sanitaires nationales. Hein, l'an prochain, il y a deux textes, hein, le traité sur les pandémies et le règlement sanitaire international, qui vont être discutés à l'OMS pour unifier toutes les politiques sanitaires mondiales sous le contrôle de Genève, hein, puisque l'OMS, enfin le World Health Organization, est à Genève. C'est un danger majeur, et en fait, les peuples doivent rester maîtres de leur santé, hein, de leur politique sanitaire, parce que chaque peuple, chaque individu sait mieux que Genève ce qui est bon pour lui. Hein, il y a des particularités nationales, des particularités culturelles et ethniques. On ne peut pas traiter tout le monde sur Terre de la même façon. Hein, il y a des différences à respecter. C'est ça, la multipolarité. C'est le respect des différences de l'espèce humaine. Et l'OMS, enfin la WHO, World Health Organization, veut en finir totalement avec les différences de l'espèce humaine. Ils ont un concept qui s'appelle One Health, une santé. Les choses sont claires. Une santé pour toute l'humanité, mais aussi pour les animaux et même pour la Terre, hein, puisque il y a l'idée du, il y a le réchauffement climatique, hein, qui est aussi un concept maintenant que l'Organisation mondiale de la santé va traiter. Mais c'est de la folie. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut mettre la santé de la planète au même niveau que la santé des êtres humains. On est dans une espèce de vision très étrange, hein, où il n'y a plus de différence entre les humains, les animaux et la Terre. Enfin, alors, je suis d'accord que la pollution est mauvaise, hein, c'est mauvais, la destruction de l'Amazonie, c'est mauvais, la destruction de la nature, c'est mauvais. Et évidemment, on est tous d'accord. Mais le débat n'est pas là. Mais vous voyez comment un débat normal, légitime, qui est pour lutter contre la pollution, peut être utilisé comme outil d'ingénierie sociale pour faire passer un autre projet totalitaire, hein, de contrôle du corps de chaque individu et de sa santé. Et voilà, j'arrête là. Bueno, el señor Seris nos habla de que precisamente los útiles de la ingeniería social van dirigidos precisamente por todos estos medios a alterar, pues alterar todo. Pero él retoma, por ejemplo, los análisis que hacía el filósofo francés Jean Baudrillard, que Baudrillard trabajaba, por ejemplo, todo el tema de la sociedad del espectáculo basado en las ideas situacionistas, pues del situacionismo, que fue una parte de la Cuarta Internacional. Él precisamente hablaba de cómo, por ejemplo, a través de la creación de simulacros en las sociedades del espectáculo actuales, se puede influir en el comportamiento de las personas. Y estas influencias del comportamiento de las personas por medio de los simulacros es una de las cosas que nosotros estamos observando actualmente. Uno de estos ejemplos lo podemos ver, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19,
cuando el objetivo, por ejemplo, de la pandemia era acabar con toda forma de multipolaridad por medio del establecimiento de una dictadura sanitaria global en donde todos los países se fueran sometidos a un mismo estándar de legitimidad por medio de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud que daba las pautas acerca de cómo atender a las poblaciones o no por medio de sus sistemas de agencias y de control de management, pues, o sea, de control de comportamiento que realizaban los operativos por medio de estos sistemas. Ahora bien, lo que hace, por ejemplo, la multipolaridad, lo que hacen, por ejemplo, también otro medio a través del cual se realizan hoy en día ingenierías sociales es por medio de los movimientos ecológicos. Y dejando de lado, por ejemplo, la legitimidad de que es verdad que hay una polución, de que hay una contaminación, de que hay una destrucción del medio ambiente, algunas de estas empresas, algunos de estos gobiernos, algunos de estos sistemas buscan por medio de la ecología cambiar también y alterar el comportamiento no solamente de los individuos, sino también de las poblaciones y de los estados por medio de estos sistemas, acabando o llevando o reencauzando diferentes causas hacia sus fines propios y manifiestos, los cuales están basados en sus propias reglas. Estos sistemas, por ejemplo, buscan acabar con la multipolaridad. ¿Por qué? Porque la multipolaridad es la expresión de la diversidad humana. La diversidad de que todos los pueblos son diferentes, de que todos tienen, por ejemplo, sus propias culturas, sus propias costumbres, sus propias creencias, sus propias civilizaciones, son manifestaciones de la realidad múltiple que constituye la riqueza de la vida humana, de la humanidad, es eso. En cambio, todas estas organizaciones lo que buscan es imponer e igualar un solo mundo, es decir, controlar a través de todo esto. Y precisamente la ingeniería social sirve para este fin y encauzar sus sistemas. Continúe, Monsieur Soral, o Monsieur Lucien Seris. Ouais, je vais bientôt conclure, hein. Là, je vais faire une conclusion. Donc, bon, je crois que nous avons un nouvel ennemi, hein, c'est-à-dire que, bon, là, on voit que l'OTAN, hein, NATO, a perdu sa guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est évident. Bon, l'OTAN peut continuer, hein, à créer des problèmes aux frontières de la Russie, et puis de toute façon, bon, l'OTAN, en fait, c'est une structure de domination anglo-américaine sur la France et sur l'Europe. Donc voilà, ça c'est un problème, mais nous avons aussi un problème maintenant avec l'Organisation mondiale de la santé, qui a, elle aussi, hein, un projet totalitaire, hein, et il va falloir être attentif, hein, vigilant, hein, dans les mois qui viennent, hein, l'an prochain, et pour ne pas, hein, laisser l'Organisation mondiale de la santé installer, hein, sa dictature sanitaire au niveau mondial. Alors, je vois qu'il y a des réactions, notamment en Estonie, en Slovaquie, les pays d'Afrique noire aussi sont en train de se rebeller, hein, contre cette dictature sanitaire qui serait une véritable catastrophe, puisque à la fin, le but, c'est d'obliger, c'est de réaliser l'obligation vaccinale, hein, par exemple, hein, mais pas seulement. Et surtout, comme je disais, hein, du point de vue de la multipolarité, hein, ce serait en fait une monstruosité, hein, c'est-à-dire la centralisation de la santé des humains dans les bureaux d'un bâtiment à Genève est une aberration intellectuelle. Hein, il y a des centaines, des milliers de médecines traditionnelles, hein, enfin, en Inde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Il y a en fait ce que la sagesse populaire, hein, ce que savent les gens, les humains depuis des siècles, tout ça va être anéanti, détruit, hein, par Big Pharma, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la santé,
C'est une nouvelle étape du capitalisme, hein, mais en fait, c'est plus grave que le capitalisme. Là, c'est vraiment, on est dans le cauchemar cybernétique, hein, réalisé, hein, avec un système sanitaire mondial unifié, centralisé, et qui serait une transgression de la nature. La nature est décentralisée, hein, depuis toujours. Décentralisée et gratuite. Hein, et là, en fait, il y aurait une tentative, hein, c'est un coup d'État, hein, c'est un putsch que l'OMS veut réaliser sur la santé, hein, et sur la nature. Hein, c'est une tentative de prise de contrôle de la santé, donc non seulement des humains, mais aussi de tous les êtres vivants et de la planète Terre, hein, puisque ce concept, hein, de l'OMS, de One Health, une santé, ne fait plus la différence entre les humains, les animaux et les objets inanimés. C'est une vision cybernétique, hein, vraiment, où en fait il n'y a plus qu'un seul système, voilà, et qui doit être donc contrôlé, hein, centralisé. On est vraiment dans le délire utopiste, hein. Là, on est dans la maladie mentale, hein, pour dire les choses clairement. C'est bon, voilà. Donc, la santé, la vraie santé, c'est la multipolarité, hein, c'est l'autonomie du vivant qui n'a pas besoin d'être contrôlé par des laboratoires. Non, et puis bon, si quelqu'un tombe malade, hein, voilà, et ben c'est tout, il tombe malade, et puis voilà, c'est, y a pas besoin de vouloir à tout prix, hein, le soigner avec des vaccins. Et je vais terminer là sur juste une petite conclusion. La définition de la l'immunité collective a été changée par l'OMS en 2020. C'est avant l'immunité collective par rapport à un virus, hein, c'est quand tout le monde avait eu le virus, voilà, et donc on ne pouvait plus tomber malade. Eh bien, l'OMS a changé la définition. L'immunité collective maintenant, c'est quand tout le monde est vacciné. Vous voyez, on passe de la nature à la culture, enfin de la nature à la science, hein. L'immunité naturelle était garantie par un processus naturel avant, depuis toujours, et l'OMS en fait, hein, veut réaliser une transition, hein, un change management, hein, pour que nous soyons tous dépendants de l'industrie du médicament, tous dépendants des vaccins. En fait, il y a une inversion de la nature et de la culture. Normalement, la nature est première et la culture est au service de la nature. Là, le transhumanisme veut inverser, hein, la nature et la culture. La culture doit être première, hein, c'est-à-dire l'artifice, et la nature sera au service de la culture. Vous voyez, donc il y a c'est quelque chose d'assez, c'est une révolution, hein, ça c'est clair, mais monstrueuse, hein, c'est une table rase sur la nature humaine et sur la nature en général. Hein, voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous laisse traduire. Bueno, el señor Ceriz, por ejemplo, habla de que precisamente a través de la ingeniería, pues, o sea, continuando con el tema, él considera que, por ejemplo, el nuevo estado del capitalismo, en el cual nosotros nos encontramos, es un biocapitalismo, que busca precisamente en su último estado, pues en sus estados más actuales, transformar por medio del transhumanismo la naturaleza misma de los seres humanos, por medio de los sistemas, precisamente las Big Pharma, las grandes farmacéuticas que estuvieron detrás del cierre del COVID y de todas las cosas que se plantearon durante la epidemia, buscaban precisamente a través de esta crisis aplicar sus métodos
de ingeniería social sobre el resto de la humanidad, pues sobre el conjunto de la humanidad, usada como sistema de experimentación para todas estas grandes, pues, o sea, problemas. A modo de conclusión, nosotros podemos decir que precisamente la lucha actual va contra estas bioideologías que buscan alterar totalmente la naturaleza humana por medio de estas transformaciones. Precisamente la ingeniería social que se está practicando actualmente va dirigida hacia este punto de referencia. Ahora bien, si, por ejemplo, en las antigüedades, pues en las formas antiguas de las sociedades pasadas, nosotros veíamos que la naturaleza era una prolongación de, si se quiere, de la, pues digo, la cultura era una prolongación de la naturaleza y la cultura estaba al servicio de la naturaleza como un medio para mantener, por ejemplo, la identidad de los diferentes pueblos en sus formas de diversidad. Lo que hace, por el contrario, el sistema actual del transhumanismo es llevar a cabo una inversión de estos papeles donde es más bien la cultura se vuelve una cosa artificial y la naturaleza se pone al servicio de ese elemento artificial que busca alterar por completo la realidad hasta dejarla completamente desnaturalizada. Precisamente es la tabula rasa de la que nosotros hablamos, de borrar absolutamente toda naturaleza antigua para imponer unas formas de vida artificiales. Claro, todo eso viene dado por un control total de la realidad por medio de un único sistema, pero la cibernética y las diferentes disciplinas que trabajan todo eso demuestran que la realidad es totalmente descentralizada. Por esa razón, la creación de una dictadura global sanitaria universal es una total aberración porque la naturaleza es diversa y completamente autónoma. La libertad colectiva, precisamente, de los diferentes grupos, de las libertades y de las formas sociales que nosotros hoy en día tenemos, dependerá de la respuesta que le demos a este problema, a este planteamiento de poder llevar a cabo una defensa de la diversidad de las formas de descentralización humana. Precisamente la multipolaridad se inscribe dentro de esta descentralización que todas las comunidades humanas han compartido a lo largo de la historia y que nosotros esperamos rescatar. Todavía no sé si se dice, nos que nos va a volus. We want to do some questions about the problem. Dans certains articles, vous défendez l'idée pour le que les pouvoirs capitalistes actuels règnent par le chaos y que le but des révolutions actuelles est establecer el orden. ¿Qué entendés vos por la? Oui, alors excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter? Monsieur Ceris, vous défendez l'idée de que los pouvoirs capitalistes actuels règnent pour le chaos. Oui. Y le but des révolutions actuelles est établir l'ordre. Oui, rétablir l'ordre, oui. Et vous pouvez approfondir ce sujet? Oui, c'est-à-dire que il y a le... j'utilise le concept de anarcho-tyrannie. Donc de Samuel Francis, et c'est-à-dire que en Occident, le pouvoir gouverne par le chaos, c'est-à-dire par l'insécurité. Aujourd'hui, en France, l'insécurité est très élevée, ça donne un prétexte pour contrôler la population, comme si tout le monde était un terroriste potentiel. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de malades mentaux en liberté en France et qui parfois tuent quelqu'un dans la rue.
On est vraiment dans un film de science-fiction. Hein. Là, vraiment, c'est presque les sociétés d'une société post-apocalyptique. Hein. Paris devient très dangereux. Hein. Et donc, c'est 10 millions d'habitants et il y a beaucoup de malades mentaux en liberté et qui tuent des gens dans la rue avec des coups de couteau. C'est un peu, mais il n'y a pas, c'est pas seulement à Paris. Hein, ça peut être maintenant dans des petites villes. Hein, et donc, il est évident, que le pouvoir laisse faire hein, cette violence parce qu'il en a besoin. Hein, c'est-à-dire qu'il a besoin hein, de cette violence comme prétexte pour ensuite imposer des contrôles. Par exemple dans la rue ou pour imposer des contrôles à l'entrée des bâtiments, hein, contrôle électronique et ce qui permet, hein, au prétexte d'une insécurité entretenue, hein, ça permet d'apporter une solution qui est la dictature numérique, la dictature informatique. Hein, donc c'est, on appelle ça aussi hein, le pompier pyromane. Hein, vous comprenez, hein, c'est le pompier qui met le feu lui-même. Et ensuite, une fois que le feu, l'incendie a commencé, il apporte sa solution, hein, c'est-à-dire éteindre l'incendie. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, lutter contre le pouvoir, hein, c'est-à-dire faire une révolution contre le pouvoir, ce serait rétablir la sécurité, déjà, au quotidien, hein, dans la vie de tous les jours. En France, aujourd'hui, ça devient vraiment très, très, très préoccupant. Hein, et ce n'est pas seulement dans les grandes villes. Hein, il y a une espèce de folie, hein, de violence, hein, mais qui n'a pas de raison. Hein, ce n'est même pas des gens qui attaquent pour voler, pour prendre l'argent. Non, non, non. C'est de la violence pure, gratuite. Ce sont des jeunes ou des gens de 20 ans, 30 ans qui attaquent, qui vous attaquent, mais sans raison. Uniquement parce que voilà, ils ont des pulsions d'agressivité, hein, sadomasochistes, qu'ils doivent satisfaire. Nous sommes en fait en France dans une espèce de psychose permanente de l'ultra-violence et ça devient vraiment effectivement difficile à vivre. Et la révolution consisterait à rétablir la sécurité d'abord. Vous voyez, c'est un peu paradoxal parce que on pense que voilà, la sécurité et l'ordre, c'est contre la révolution. Mais aujourd'hui en France, faire la révolution, ce serait pour rétablir la sécurité et l'ordre et la justice. Ça va avec. Voilà. Yo le pregunté al señor Ceriz si que él escribe en varios de sus artículos y publicaciones que él dice que hoy en día los poderes capitalistas gobiernan a través del caos y que el objetivo de la revolución es más bien restablecer el orden, y le pedí que profundizara sobre el tema. Entonces él dice que sí, él habla de que ese problema es actualmente porque los gobiernos actuales, él usa el término de anarcotiranías, es decir, que los poderes fácticos del mundo actual lo que hacen es a través de, pues siembran el caos en el mundo, pues en la realidad, por medio de los sistemas cibernéticos, el control tecnológico, el control farmacéutico, para crear un ambiente de inseguridad total en la sociedad, regar este ambiente de inseguridad total en las sociedades y de ese modo establecer sus formas de dominio sobre el resto de las poblaciones con las cuales ellos intentan influir por todos estos sistemas pues, de los que ya hemos hablado. Este sistema, por ejemplo, él dice que en Francia se nota mucho debido a la situación de ultraviolencia que se vive allá. Y no se trata de la violencia usada, por ejemplo, para defender las cosas que nosotros apreciamos, sino más bien de un estado de violencia perpetua que crea una especie de psicosis
en la mente de las personas, que causa que estén totalmente alertas, a la defensiva y agresivas los unos contra los otros en medio de una especie de guerra civil total que están viviendo o que se empieza a vivir, por ejemplo, en los países, pues en la Francia como tal. Por esa razón, él argumenta que más bien los procesos de la revolución, las revoluciones actuales, lo que buscan es restablecer el orden en la vida cotidiana, porque solamente a través del restablecimiento del orden en la vida cotidiana se puede llevar a cabo un restablecimiento de la justicia, un restablecimiento de la vida y un restablecimiento, pues, de las cosas que nosotros apreciamos como tales, las cuales van en contra de todo lo que actualmente se propone, por ejemplo, la sociedad pues, contemporánea. Listo. ¿Alguna otra pregunta para el señor Ceriz? Sí. Un momento. Ok. Profesor Ceriz, j'ai une question. Dans vos livrets Neuropirates, les réflexions sur l'ingénierie sociale, et vous développez deux catégories, ingénierie sociale négative et ingénierie sociale positive. Quelle est la principale différence entre les deux? Oui, alors l'ingénierie sociale négative, c'est celle qui est appliquée par le pouvoir et qui crée des conflits triangulés. Hein, j'appelle ça comme ça. Bon, c'est un terme français compréhensible par tout le monde. C'est-à-dire que le pouvoir organise l'insécurité. C'est pour gouverner donc par l'insécurité notamment, c'est-à-dire il organise la division de la société. C'est-à-dire que il fait en sorte que avec le féminisme, que les femmes attaquent les hommes, et puis avec le jeunisme, enfin c'est-à-dire en fait avec la culture pop, il dresse les enfants contre les parents. Et en fait, c'est vraiment la guerre de tous contre tous. Donc, c'est un tout ça en faisant monter la méfiance. Ça, c'est ma contribution personnelle à l'ingénierie sociale. C'est que, en fait, ça repose sur le contrôle des relations de confiance, de méfiance et aussi d'indifférence. C'est-à-dire que quand vous voulez détruire un groupe, de l'intérieur, vous faites monter la méfiance et la paranoïa en lançant des accusations, et progressivement, imaginez une équipe de football, elle a besoin de confiance. S'il n'y a plus de confiance entre les joueurs de l'équipe de football, le ballon ne circule pas, ça ne marche pas et il ne risque pas de gagner. La compétition. Il faut de la confiance dans un groupe. Le meilleur exemple, c'est par exemple dans l'armée. S'il n'y a plus de confiance dans une armée, il n'y a plus d'armée, puisque tout le monde part dans sa direction. C'est une explosion individualiste. Et imaginez aussi dans une famille. S'il n'y a plus de confiance dans une famille, s'il n'y a plus de confiance dans un peuple, le peuple se divise et part en morceaux. C'est un processus de fragmentation. Le pouvoir, l'oligarchie en Occident est très forte pour contrôler les populations de cette façon, en faisant monter la méfiance à l'intérieur de la société. C'est un phénomène d'entropie sociale. ENTROPIE, un phénomène donc de division, mais contrôlé. Et donc, un phénomène, une ingénierie sociale positive consisterait justement à faire du team building en anglais, c'est encore un terme de management, c'est-à-dire de la construction d'équipe. Donc, appliqué, par exemple, dans la famille, appliqué à l'échelle de la nation, etc., enfin, à toutes les échelles de la vie en société.
hein, pour reconstruire de la confiance. Donc, et évidemment, c'est compliqué quand la société est complexe. En France, avec toutes les vagues d'immigration, on est dans une société multiculturelle. Ça devient très compliqué en France de créer de l'unité, hein, et de la confiance. Donc il y a effectivement des phénomènes psychologiques, hein, de psychose, hein, avec des phénomènes de violence sans raison, hein, comme j'expliquais avant. Même pas pour prendre l'argent dans le portefeuille. Non, c'est juste tuer pour tuer. Parce qu'il y a un tel malaise, hein, une telle maladie sociale en France que ça devient toxique, mais pour tout le monde. Par contre, on peut faire de l'ingénierie sociale positive, c'est-à-dire essayer de donner, hein, à un peuple, par exemple les Français, hein, ou d'autres, un objectif commun, hein, pour essayer de travailler ensemble. Moi, je parle effectivement de nationalisme, hein, permaculturel. Hein, la permaculture, bon, c'est une méthode de jardinage. Bon, ça peut paraître un peu ridicule, mais bon, si on s'inspire de la permaculture en politique ou en géopolitique, hein, eh bien, en fait, c'est ça aussi la multipolarité. Hein, c'est-à-dire qu'on procède de manière concentrique, hein, en s'occupant, hein, des gens avec lesquels je suis au contact, hein, en acceptant qu'il y ait d'autres jardins, hein, et d'autres nations, et évidemment on peut communiquer tous ensemble, hein, mais malgré tout, on respecte les différences. Mais c'est vrai que bon, nous sommes dans une situation compliquée en France, plus que dans d'autres pays, hein, où il y a plus d'unité. Même en Europe, il y a encore des pays en Europe, hein, qui sont très homogènes sur le plan identitaire, plutôt dans les pays de l'Est, hein, c'est-à-dire les anciens pays du bloc communiste. Mais je connais aussi un pays où il y a une certaine diversité identitaire. J'ai voyagé à Moscou au printemps, hein, le camarade Carlos est à Moscou en ce moment. Moi, j'y étais en avril et en mai. Bon, il n'y a pas les mêmes problèmes, hein, par exemple, au niveau des religions en Russie. Parce que en Russie, les Russes, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, ils sont russes d'abord. Ils ont un projet, hein, une identité nationale d'abord. En France, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, maintenant, les juifs sont juifs d'abord. Il y en a qui sont patriotes, ça existe, hein. Mais bon, les musulmans sont musulmans d'abord. Il y a des musulmans patriotes, ça existe. Mais en fait, il y a une espèce de mouvement comme ça, de divergence, hein, et qui est soutenu par le pouvoir. C'est très clair. Hein, le pouvoir entretient la division identitaire en France. En Russie, il n'y a pas de tension identitaire. Vous voyez, j'ai voyagé à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Bon, c'est tranquille, hein, à Saint-Pétersbourg, il y a un quartier musulman. Hein, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est tout le monde vient là. Hein, il n'y a pas que des musulmans. C'est-à-dire que les commerçants sont musulmans. Hein, donc ils vendent des produits, par exemple des vêtements ou des choses comme ça, mais il y a aussi des familles qui sont des Russes chrétiens, qui viennent là avec les enfants. Donc il y a une capacité à vivre ensemble, au sens noble du terme, que nous avons perdu en France. On va finir en France comme avec un apartheid, vous voyez, chacun dans son quartier. Hein, avec peut-être des ambiances de guerre civile. Mais bon, le seul moyen, hein, de reconstruire une unité, c'est d'avoir une politique patriotique et d'en finir avec le globalisme
le globalisme qui est un mensonge, hein, qui nous dit qu'on va tous être frères sur Terre, mais en fait, c'est la guerre de tous contre tous. Hein. C'est. Enfin, voilà. Bueno, al señor Ceris le preguntó Carlos que si. Que él en su libro Neuropiratas habla de una ingeniería social negativa y una ingeniería social positiva. Entonces él responde que es un concepto muy importante porque él entiende la ingeniería social negativa como una pérdida de confianza, es decir, por un medio de los cuales los poderes actuales que gobiernan, pues capitalistas, industriales, médicos, etcétera, buscan romper, partir, minimalizar, por ejemplo, a los individuos que van perdiendo su confianza en todos los medios, en toda la sociedad, en todos, rompiendo sus lazos afectivos con su familia, con sus raíces, con su cultura, con su sociedad, lo que provoca una especie de atomización, de fraccionamiento de la realidad que es manejado por las diferentes ideologías actuales, los feminismos, pues las formas del feminismo radical, las formas de los LGTBI, etcétera, que van dirigidas a minar esa confianza, a destruir ese sistema de confianza que antes cohesionaba, por ejemplo, a la totalidad de un pueblo, pues de un estado, de una sociedad, de una comunidad. Los individuos que caen dentro de esa atomización, que viven con una especie de paranoia, que cargan una serie de problemas sociales, identitarios, de identidad, de soledad, son más fácilmente manipulables por los medios de la ingeniería social creados por las grandes organizaciones que los utilizan precisamente, claro, porque como son individuos que no tienen ninguna confianza ni siquiera en ellos mismos, terminan siendo fácilmente manipulados por los diferentes poderes fácticos que operan los sistemas económicos, culturales, sociales, etc. En cambio, él habla de que la ingeniería social positiva es más bien un medio de reconstruir esa confianza que se había perdido por medio del reasentamiento, por ejemplo, de los lazos familiares, de los lazos comunitarios, de los lazos culturales, que buscan restablecer esas formas de confianza que antes tenía la sociedad. En Francia, por ejemplo, es difícil aplicar, por ejemplo, pues es una tarea titánica la de llevar a cabo este problema, porque además de eso nos encontramos con una sociedad multicultural que ha sido muy fracturada por los procesos de ingeniería social negativo que se han ido aplicando en las últimas décadas, dentro, pues en las últimas varias décadas, en ese lugar. Él, por ejemplo, compara ese ejemplo con los procesos que ha hecho, por ejemplo, en Moscú. En Moscú, por ejemplo, la identidad de los rusos sigue siendo muy fuerte. Todavía existe mucha confianza. Tú puedes ir, por ejemplo, él estuvo en el carnaval de San Jorge, en Moscú, y ahí tú podías ver, por ejemplo, budistas, musulmanes, cristianos, diferentes personas que todas convivían de una forma u otra porque tenían una identidad junta, una identidad segura de sí mismos y que mantenían una confianza los unos con los otros que se mantiene toda. ¿Por qué? Porque al final todos ellos eran rusos y lo mismo pasa, por ejemplo, en San Petersburgo y en diferentes lugares. En Francia, por el contrario, eso se ha fracturado por completo. Los judíos se creen judíos, los musulmanes se creen musulmanes, los identitarios blancos se han aislado totalmente del resto de las poblaciones y ya no existe una forma de patriotismo común dentro de toda esa sociedad que pueda reunir a todos estos grupos y darles una identidad común, la cual se ha ido perdiendo. Es aquí donde precisamente él ha tenido algunas discusiones dentro de los diferentes grupos que han manifestado, precisamente explicando que es precisamente sobre este problema que nosotros tenemos que pensar mejor cómo realizar, por ejemplo, todos estos problemas de reconfiguración de las sociedades dentro del mundo actual. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Antes de darle la palabra al doctor Espinosa para ya ir cerrando, muchas gracias por la respuesta. Merci beaucoup por la respuesta, maître Saris. Es muy interesante con respecto a nuestras categorías y para el caso concreto de Rusia se puede ver perfectamente, ¿no?
mientras en Occidente prácticamente han abandonado, han bajado las armas en todos sentidos, han quedado sin defensa, Rusia tenemos todo lo contrario. Yo veo, es de hecho, es lo primero que me llamó la atención, fue que es una sociedad realmente multiétnica, multirreligiosa, multinacional, pero tiene una homogeneidad en cuanto a conceptos claves que los identifica como rusos. Tú puedes ver en el metro, ¿no?, un ruso eslavo ortodoxo, puedes ver un centroasiático musulmán, otro budista, y así sucesivamente. Pero nadie está en contra de Rusia, nadie está en contra de lo que del alma rusa, del Ruski Mir. Por el contrario, el Ruski Mir es lo que involucra a todos ellos y hace que justamente esas identidades, por separado, no se separen más allá de lo debido y se conforme pues esa identidad común, general, homogénea, si se quiere, hasta cierto punto, que los identifica como tal, en contraparte con el multiculturalismo en Occidente, en Europa, que prácticamente se lo ha hecho a forzajeo, a la mala, y bueno, ha terminado, como dice el maestro Saris, en una catástrofe. Doctor Espinosa, por favor. Sí, gracias, Carlos. The topic that Mr. Saris has developed today about multipolarity and social engineering is of great importance, since the practice of social engineering is based on exploiting the weakness of human beings, which indicates that it seeks to get people to carry out activities voluntarily, which they surely would not otherwise carry out, and which provide a benefit to the social engineer. Understanding this, it leads us to understand that the strategic intelligence services, along with an army of think tanks, are totally involved in thousands of social engineering projects all over the planet. The question is how to contain the social engineering operations that US government special agencies such as the Pentagon and other analogs through the collective West carry out together with universities and non-government organizations and an army of anthropologists inside and outside the United States of America. What should the governments do to cut and dismantle these operations? Que faire pour lutter contre l'ingénierie sociale américaine, notamment, et toutes les méthodes de regime change, les révolutions colorées. Alors justement, donc, j'ai fait un livre sur le sujet, en fait. Un peu de publicité. Voilà. C'est sur l'application de l'ingénierie sociale en Ukraine, puisque c'est un véritable laboratoire, puisque l'Ukraine a eu deux révolutions colorées en 10 ans. La révolution orange en 2004-2005 et Euromaïdan. Euromaïdan en 2013-2014. C'est très difficile de lutter contre ces phénomènes parce que ça repose sur tout ce que Jean Baudrillard appelait la séduction. Je parlais de ça tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant les révolutions colorées, en fait, ce sont des putschs, des coups d'État. Mais ce ne sont plus des coups d'État comme, par exemple, en Amérique latine, avec des militaires, avec des lunettes noires, comme Pinochet, où ça donnait une mauvaise image. Ça donnait une image dure, autoritaire. Aujourd'hui, les coups d'État, les putschs, sont réalisés avec des images de jeunes gens, souvent des jeunes femmes plutôt jolies, sexy,
Donc, en fait, aujourd'hui, l'ingénierie sociale, notamment de la CIA, que ce soit donc en Ukraine, mais aussi en Syrie, en 2011, il y a eu les printemps arabes autour de la Méditerranée. Et puis, encore avant, c'était en Serbie, en ex-Yougoslavie. À chaque fois, c'est la même méthode. Et on présente des gens qui doivent, on met en avant des jeunes gens pour que le coup d'État soit sexy. Voilà. Ça repose toujours sur ça, sur ce principe-là. Ça doit être séduisant. Les images doivent être belles à regarder. Donc, on est dans une espèce de... Moi, j'appelle ça une hystérocratie. Vous comprenez, après la phallocratie, le pouvoir du phallus, là, on est dans l'hystérocratie, le pouvoir de l'utérus, enfin, le pouvoir féminin, mais dans sa dimension hystérique, mais malade, c'est-à-dire les émotions, l'affectivité, toujours. La compassion, l'empathie, il faut effectivement vibrer avec les victimes de Bachar el-Assad, Bachar le boucher, etc. Il faut vibrer avec les victimes. En fait, c'est une utilisation d'un concept d'analyse transactionnelle qui s'appelle le triangle de Karpman, où il y a trois position à occuper dans les relations. Il y a le bourreau, la victime ou le sauveur. Et la population qui sera utilisée pour faire le putsch sera utilisée comme victime d'un bourreau, donc Bachar el-Assad ou Viktor Yanukovych en Ukraine, en Libye, j'ai oublié son nom. À chaque fois, c'est le même principe. Kadhafi, voilà. j'avais un trou de mémoire. Kadhafi, en Libye, en 2011, ou Milosevic en 1999 en Serbie, à chaque fois c'est le bourreau, c'est-à-dire le méchant, il persécute sa population qui souffre beaucoup et qui se rebelle, qui se lève pour sa liberté. On est dans l'exploitation des émotions, mais de manière régressive. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, on valorise la liberté individuelle contre l'autoritarisme. Ça, c'est une application de ce qu'on a eu en France en mai 1968. On a eu peut-être la première révolution colorée de l'histoire en France. C'était la révolte des étudiants contre le général de Gaulle. Et c'était archétypal. Les jeunes intelligents, les étudiants qui veulent lutter, qui luttent contre l'ordre patriarcal sous la forme du général de Gaulle. Bon, voilà, c'est aujourd'hui, à chaque fois, c'est comme ça. C'est le même système. Et c'est très difficile de lutter contre ça parce que, en fait, si vous répondez avec de l'autorité, vous confirmez le stratagème. Puisque, en fait, dans le stratagème de ce regime change, c'est les jeunes qui cherchent la liberté, qui luttent contre une figure de l'autorité. Donc, vous ne pouvez pas répondre avec simplement de l'autorité, parce que sinon, vous confirmez la structure de domination fictive, mais la structure de domination qui est critiquée. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que il faut répondre avec les mêmes techniques,
mais c'est compliqué parce que si vous répondez en fait à quelque chose de régressif par quelque chose de régressif, ça n'avance pas. Hein. Et donc bon, moi je réfléchis un peu à tout ça depuis des années, mais bon, il faut. Vous voyez, c'est-à-dire que les méthodes de Gene Sharp, hein, c'est la révolution non violente, hein, sont en réalité difficiles, hein, en fait, à contrer, parce que c'est fondé sur la séduction, hein, et sur des émotions régressives. Mais c'est possible. Mais là, après, bon, c'est et en fait, il faut effectivement réussir à faire deux choses en même temps, c'est-à-dire répondre à la liberté individuelle par de la liberté individuelle, hein, mais en même temps, il faut déplacer le débat sur le réalisme. Ça, c'est bon, une réflexion personnelle, c'est-à-dire qu'il faut demander non pas de revenir à un système autoritaire, mais à un système réaliste. Ça permet de subvertir la rhétorique individualiste libérale. Vous voyez, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas pirater la rhétorique libérale individualiste. Elle est trop forte, parce qu'elle est régressive. Et si vous lui répondez avec de l'autorité, vous confirmez sa critique. Il faut donc déplacer le débat et répondre à la rhétorique libérale individualiste par autre chose que de l'autorité, par du réalisme. C'est-à-dire demander, en mai 68, en France, le général de Gaulle a perdu. Hein, parce qu'il n'avait pas réfléchi à tout ça, il n'était pas, c'était pas un communicant, hein, il n'était pas, il ne faisait pas d'ingénierie sociale, donc c'était bon un homme simple en fait. Bon, mais il aurait dû demander aux étudiants, hein, ok, je vous entends, mais votre projet de société est-il réalisable, hein, est-il faisable? Et là, les étudiants auraient répondu, on ne sait pas encore. Ah ben, oui, mais si vous savez pas encore, puisque en fait vous luttez contre la société de vos parents, hein, mais vous allez où? Vous allez vers quoi? Vous ne le savez pas parce que justement vous êtes progressiste et vous ne savez pas où vous allez. Bon, c'est en tout cas poser la question, hein, de la faisabilité du projet permet de sortir, hein, des impasses. Hein, de la polarisation et de la dualité, parce que le pouvoir essaye de nous enfermer dans une dualité, hein, avec les gentils, les méchants, hein, avec les jeunes qui veulent la liberté individuelle et le méchant dictateur autoritaire. Bon, il faut sortir de ça, donc déplacer la discussion sur un autre terrain pour ne pas être piégé, parce que la dualité entre les jeunes libres et les vieux conservateurs, ça c'est le piège qu'il faut éviter à tout prix. Il faut déplacer le débat, hein, sur la question de votre société est-elle faisable, le projet est-il réalisable. C'est pour aller sur des questions pragmatiques, pratiques, vous voyez. Et puis prendre des exemples après, hein, effectivement, parce que bon, moi je sais que le LGBT essaye de contaminer le monde entier, hein, il faut réussir à répondre à ça, hein. Donc là récemment la Russie a fait passer une loi pour interdire, hein, le mouvement LGBT international en Russie, c'est une bonne chose, mais ça continue à avancer. Et c'est c'est très puissant, hein, parce que ça s'appuie sur les bons sentiments, hein, et donc comment répondre à ça, hein, ils veulent être heureux, c'est que de l'amour tout ça, hein, le drapeau arc-en-ciel. Bon, donc ça peut paralyser l'esprit, créer un effet de sidération,
et un effet où on est enfermé dans un duel entre les gentils et les méchants. Non, non, il faut déplacer le débat et demander le projet de société LGBT est-il réalisable ? Et là, vous commencez à complexifier le débat parce que c'est indexé sur le réel. Vous voyez, c'est articulé sur du concret. Alors, évidemment, un idéologue va dire, et évidemment, le projet de société LGBT est faisable. Mais en fait, là, on est déjà sorti de la rhétorique victimaire. Il faut sortir du débat entre les victimes et les bourreaux pour aller sur une discussion épistémologique, en réalité, ou philosophique. Mais ça les révolutionnaires libéraux ne veulent jamais aller sur les débats philosophiques de fond. Pour la guerre culturelle, il faut apprendre à toujours ramener le débat sur les concepts et des sujets sérieux et sortir de la rhétorique piégée, des pièges rhétoriques. Voilà, j'espère que c'est pas trop long. Bueno, al señor Ceris le preguntaron sobre cómo detener, por ejemplo, los medios de operaciones encubiertos llevados a cabo por el Pentágono y todas estas agencias que ahora pues operan por medio de revoluciones y guerras híbridas. Entonces, él dijo que es un tema bastante complicado. Él lo ha abordado en uno de sus libros, que es Ucrania y la guerra de la OTAN, que él mismo mostró pues ahí, dándonos a conocer dónde abordamos bastante este tema. Pero la respuesta es más o menos la siguiente. Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de revoluciones de color en el mundo. O sea, estas revoluciones de color son parte de las guerras híbridas que se han llevado a cabo en todos estos años. Ucrania, por ejemplo, es un ejemplo de estas de revolución de color. Por ejemplo, la revolución de color que sucedió en Ucrania en 2008 y 2009, que fue la revolución naranja, la cual precisamente buscó tumbar a un gobierno prorruso en la zona para instaurar uno pro-estadounidense, pro-globalista allá. Lo mismo pasó en el 2013, el 2014, con la guerra, pues con el Euromaidán, que fue otro de estos problemas. Ahí lo que se realizaron fueron una serie de ingenierías sociales dedicadas precisamente a reconstruir esas sociedades para ponerlas al servicio de unas formas de globalismo determinadas, las cuales estaban siendo impuestas desde arriba por todos estos medios que ellos se manejan. Por supuesto, luchar contra estas revoluciones de color, contra estas formas de ingeniería social es muy complicado, es bastante difícil, precisamente porque lo que hace el liberalismo por medio de todas, pues, o sea, o lo que se entiende por liberalismo actualmente, es por medio de sus sistemas, es llevar a cabo una regresión de los seres humanos hacia sus pasiones más bajas, es decir, hacia sus formas de regresivas de sentimentalismos, de formas en donde se rompe por completo las formas de la razón propias de los seres humanos, ya no se discute sobre paradigmas, sino sobre sentimientos, sobre cosas que son completamente ilógicas, irracionales. Un caso ejemplo de esto es, por ejemplo, el feminismo histérico, que hoy en día pues abunda de sobremanera, el victimismo, etcétera, que va dirigido a la destrucción de las formas sociales clásicas, las cuales existían anteriormente y que precisamente van llevadas a cabo. Por eso, para combatir esta forma de individualismo que propone, de regresión afectiva que propone el liberalismo, lo que hay que oponerle es una forma de rescate de las autoridades y además de eso de un realismo, o sea, de un realismo que vaya dirigido precisamente a una reconfiguración, un restablecimiento del orden de las personas por medio de esos sistemas. Claro, el liberalismo ha utilizado, por ejemplo, todos los medios de ingeniería social para atacar a las diferentes sociedades. Por ejemplo, en Sudamérica eso sucedió con los gobiernos autoritarios de Videla,
de Pinochet, que eran, por ejemplo, gobiernos falocráticos divididos para eso. Y ahora, hoy en día, las nuevas formas de ingeniería social ya no usan a los militares, sino que usan, por ejemplo, los movimientos feministas y demás minorías culturales como los LGTBI, pues, con formas histéricas ya de actuación para llevar a cabo sus procesos de destrucción. Por supuesto, todas estas ideas se pueden rastrear, por ejemplo, en los libros de Jim Sharp sobre la revolución pacífica, por ejemplo, que él hablaba de cómo estas operaciones buscaban llevar a cabo cambios de regímenes. Por supuesto, confrontar esta realidad, según las reflexiones que ha tenido el señor Ceriz, ha sido precisamente a través de un restablecimiento de las pasiones en los individuos por medio de un realismo. Los primeros intentos, por ejemplo, de todo, o la proto-revolución, si no estoy mal coloreada, que nosotros conocemos, fue, por ejemplo, el mayo del 68. El mayo del 68 fue todo lo que, pues, o sea, todo lo que hoy en día nosotros estamos viviendo o conocemos, fue practicado en mayo del 68, en la lucha contra una sociedad patriarcal representada por Charles de Gaulle, por medio de revolución cultural, revolución sexual, libertad total, anomia viva, eran las consignas que se daban en mayo 68 y que luego fueron aplicadas por los diferentes estados, pues por Estados Unidos contra, por ejemplo, Siria, contra Yanukovych en Ucrania, contra Milošević en Serbia, etcétera, como procesos a través de los cuales se buscaba esto. Solamente a través del restablecimiento de estos elementos realistas, naturalistas que hemos hablado durante toda esa conferencia, podría hacerse frente acerca precisamente de todos estos procesos de operación. Por supuesto, es un proceso muy difícil, que no tiene una respuesta única, no es fácil realizarlo, y menos en el proceso de regresión social al que nos ha acostumbrado, por ejemplo, la ingeniería social liberal, por medio del libre mercado, el consumismo, etcétera, que hoy en día nosotros estamos enfrentando. Monsieur Ceriz, merci beaucoup. Nos amamos vos invitar a otras ocasiones a participar avec nous. Nuestra intención es de hacer conocer su pensamiento, nuestro continente, car nos volons difusar sus ideas y sus análisis desde los espacios universitarios hispanófonos. Hispanophone, merci beaucoup, Monsieur Salid. Thanks a lot. Yes, really. The conference. Merci beaucoup. Très bien de la conférence. Je vous remercie au nom de toute l'équipe de ce cycle de conférences sur la géopolitique. Sans précédent dans le monde hispanophone. En même temps, je vous exprime ma profonde admiration et mon respect. Merci beaucoup, Maître Lucien Ceriz. Bon, écoutez, merci pour cette invitation. Franchement, c'était très sympathique. Moi, si je peux diffuser ce que j'ai à dire chez vous, pour apporter quelque chose, parce que en fait le monde occidental et la France, c'est le futur, malheureusement, vous voyez ce que je veux dire, malheureusement, c'est-à-dire nous sommes très avancés dans la décadence, je pense plus que vous en Amérique latine. La France aujourd'hui, c'est quelque chose qui, le contre-exemple. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le monde occidental, c'est-à-dire la zone NATO-UE, essentiellement, sous contrôle anglo-américain. Bon, c'est exactement ce qu'il ne faut plus faire. Voilà. Moi, si je peux effectivement vous aider pour mettre, pour sonner l'alerte dans vos pays, pour que les gens soient conscients qu'il faut quitter ce monde globaliste
hein, sous contrôle anglo-américain. Bon, écoutez, voilà, je peux tout donner, hein, pour essayer de faire avancer, hein, la cause, hein, le projet de la multipolaire, parce que c'est l'avenir de l'humanité, hein, très clairement. Voilà, donc encore merci. Et donc, bah voilà, on est en contact, hein, par email, par et voilà, donc we are communicate with you in the other days because we are want create a literary project with different authors, including yourself, in this project. Thank you very much. Merci infiniment. À bientôt. Farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Stereotypes.